m'appelle Monsieur Ebata William, prof de sciences physiques. Aujourd'hui, nous allons continuer la suite de notre cours sur les solutions aqueuses des acides et des bases. Voilà. La dernière fois, on avait fait la première partie de notre cours. Voilà. On a vu les propriétés électriques de l'eau. On a vu le pH des solutions acides, le pH des solutions basiques et le pH des solutions neutres. Et aujourd'hui, nous allons continuer notre cours à partir du septième point, la dilution. La dilution. Le phénomène de dilution. Qu'est-ce qu'on entend par la dilution? Diluer une solution revient à lui ajouter de l'eau. Donc, la dilution, c'est une opération qui consiste à ajouter de l'eau. Et lors d'une dilution, la concentration diminue. Lorsqu'on dilue une solution, on diminue sa concentration. Sa concentration diminue et son volume augmente. Voilà. Donc, la dilution est une opération qui consiste à diminuer la concentration d'une solution. Et au cours de la dilution, la quantité de matière reste la même. Vous avez la quantité initiale égale à la quantité finale. Donc, lors d'une dilution, la quantité de matière ne change pas. C'est le volume qui augmente et la concentration diminue. Voilà, on va noter. La dilution d'une solution, la dilution d'une solution consiste à ajouter de l'eau, dans cette solution. Afin de diminuer sa concentration. Afin de diminuer sa concentration. Voilà. La dilution d'une solution consiste à ajouter de l'eau dans cette solution afin de diminuer sa concentration. Voilà. Lors de la dilution, la quantité de matière ne change pas. Donc, quantité initiale égale à la quantité finale. La quantité initiale, donc, dans la solution initiale, vous avez la concentration initiale de cette solution fois le volume initial. Ça vous donne la concentration finale fois le volume final. Avec le volume final ici, le volume final, c'est la somme du volume initial plus le volume d'eau ajouté. Donc, V final égale V initial plus le volume d'eau. Et en définitive, on aura CI, concentration initiale fois volume initial, égale concentration finale, facteur, volume initial plus le volume d'eau. Voilà. Voilà ce que nous dit la loi de la dilution. Voilà. Donc, ici, vous avez constaté que ce qui varie, c'est la concentration. La concentration initiale sera différente de la concentration finale. Et le volume initial sera aussi différent du volume final, parce que le volume final augmente compte tenu du fait qu'on a ajouté de l'eau. Voilà. Voilà la loi de la dilution. Voilà. Quand on dilue une solution, comme on l'a dit, le volume augmente et la concentration diminue. Voilà. Diluer 10 fois,
si on dilue par exemple 10 fois, ça veut dire que le volume V2 égale à 10 V1. Et la concentration C2 égale à C1 sur 10. Quand on dilue 10 fois. Quand on dilue 100 fois, V2 égale à 100 V1 et la concentration C2 serait égale à C1 sur 100. Voilà. Maintenant, lorsqu'on dilue, petite remarque, le pH d'une solution acide, augmente avec la dilution. Lorsqu'on dilue une solution acide, on constate que le pH de la solution augmente. Voilà pourquoi le pH d'une solution acide augmente avec la dilution. Le pH d'une solution, basique diminue avec la dilution. Voilà. Lorsqu'on a une solution basique, dernièrement on avait vu que on avait dit qu'une solution basique, c'est une solution dont le pH est supérieur à 7. Lorsque on ajoute de l'eau dans une solution basique, on constate que le pH de la solution basique diminue avec la dilution. Diminue avec la dilution. Voilà. Le pH d'une solution acide augmente avec la dilution. Maintenant, le pH d'une solution neutre, ne varie pas avec la dilution. Voilà. Lorsqu'on dilue une solution neutre, on constate que son pH ne varie pas. Son pH reste constant. Voilà. Après la dilution, nous allons voir la dissolution des composés dans l'eau. 8. Dissolution des composés dans l'eau. Voilà. Les solutions aqueuses ioniques sont aussi appelées des électrolytes. Donc, parmi les électrolytes, on a des électrolytes forts et des électrolytes faibles. Dans les solutions aqueuses ioniques, on distingue les électrolytes forts et les électrolytes faibles. Donc, on va noter. Les solutions aqueuses ioniques sont encore appelées les solutions aqueuses ioniques sont encore appelées les électrolytes. Voilà. Il y a des électrolytes forts et des électrolytes faibles. Voilà. Parmi les électrolytes, on distingue les électrolytes forts
et les électrolytes faibles. Voilà. On va voir les électrolytes forts et les électrolytes faibles. Faibles. Voilà. Les électrolytes ici, ce ne sont que des solutions aqueuses des acides, des solutions aqueuses de base, des solutions neutres. Nous avons parmi les solutions aqueuses, les solutions acides, les solutions basiques et les solutions neutres. Ces solutions-là, on les appelle aussi par les électrolytes. Voilà. Donc, nous allons d'abord voir 8.1, les acides. Les acides. Voilà. 8.1, les acides. Petit A, définition. 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 Voilà. La définition, nous allons définir un acide au sens de bronstide. Hein, au sens de bronstide. Bronstide, c'est le nom d'un chimiste danois. Voilà. Bronstide. Voilà. Selon Bronstide, un acide est une entité chimique, c'est-à-dire une molécule ou un ion, molécule ou ion, capable de céder un ou plusieurs protons. Donc, lorsqu'on a une espèce chimique, une entité chimique capable de céder un ou plusieurs protons, en ce moment-là, cette entité est appelée acide. Voilà la définition d'un acide. On va la prendre. Un acide est une entité chimique. Un acide est une entité chimique, en parenthèse, molécule ou ion capable de céder un ou plusieurs protons. Capable de céder un ou plusieurs protons. Voilà. Un acide est une entité chimique, ça peut être une molécule, ça peut être un ion, capable de céder un ou plusieurs protons. Hein, le proton, on le note H+. H+. Hein, un proton. H+. Voilà. C'est ça, la représentation d'un proton. Voilà. Donc, un acide, on peut le symboliser comme ceci. AH donne A- plus H+. Voilà. Donc, lorsqu'on a une espèce chimique, une entité chimique qui peut céder ou libérer un ou plusieurs protons, on dit que cette entité est un acide. Par exemple, AH donne A-, A- c'est un anion, plus H+. Voilà. Exemple, vous avez l'acide chlorhydrique, HCl, vous donne Cl- plus H+. L'acide chlorhydrique, c'est un acide. Parce qu'il peut nous libérer, il peut céder un proton. Voilà. Vous avez, par exemple, l'acide éthanoïque, CH3COOH. Voilà. L'acide éthanoïque donne CH3COO-, l'ion éthanoate, plus un proton. Là, il a cédé un proton, il a libéré un proton. Donc, l'acide éthanoïque est un acide parce qu'il peut céder un proton. Voilà. Donc, lorsqu'une espèce chimique cède un proton, on dit que cette entité chimique est un acide. Voilà. On peut
Prends par exemple l'ion ammonium NH4+, c'est aussi un acide, donne NH3, l'ammoniac, plus H+. Voilà. L'ion ammonium est un acide parce que l'ion ammonium cède un proton. Voilà. Voilà ce qu'on peut retenir sur la définition d'un acide. Petit B. Acide fort. Parce que nous avons dit, parmi les électrolytes, il y a des électrolytes faibles et les électrolytes forts. Donc, si on parle des acides, dans les acides, parmi les acides, on a les acides forts et des acides faibles. Parmi les bases également, on aura des bases faibles et des bases fortes. Voilà. Là, on va voir les acides forts. Voilà. Qu'est-ce qu'on entend par un acide fort? C'est quoi un acide fort? Voilà. Il est dit fort tout simplement parce que sa dissociation est totale dans l'eau. Lorsque un acide se dissocie totalement dans l'eau, on dit qu'il est fort. Voilà. Sa force, sa force est caractérisée par sa dissociation totale, hein, sa dissociation totale dans l'eau. Voilà. Donc, un acide est dit fort lorsqu'il se dissocie totalement dans l'eau. Lorsqu'il se dissocie totalement dans l'eau. Voilà la définition d'un acide fort. Un acide est dit fort lorsqu'il se dissocie totalement dans l'eau. Voilà. On peut prendre le cas d'un monoacide. Un monoacide fort, AH. Voilà. Sa dissociation dans l'eau est totale. On a donc AH plus H2O. Sa dissociation est totale. Donc, dès que l'acide réagit avec l'eau, l'acide disparaît, l'acide se transforme totalement en ion A- plus H3O+. Voilà, la dissociation d'un acide fort dans l'eau donne A- plus H3O+. Donc, un acide fort, c'est un acide qui se dissocie totalement dans l'eau en libérant un ion hydronium. Voilà, c'est ça, un acide fort. On peut prendre quelques exemples. Exemple, nous avons l'acide chlorhydrique. L'acide chlorhydrique est considéré comme un acide fort parce que dans l'eau, il se transforme en ion chlorure plus H3O+. Voilà, l'acide chlorhydrique est un acide fort. On peut prendre un autre exemple, l'acide bromhydrique, HBr. L'acide bromhydrique également, c'est un acide fort. Sa dissociation dans l'eau est totale, on obtient l'ion bromure, Br-, plus H3O+. Voilà, c'est un acide fort. Ici, nous avons des monoacides forts. On peut prendre par exemple l'acide nitrique, HNO3, dans l'eau, voilà, nous donne l'ion nitrate, NO3-, plus H3O+. Voilà, ceci, un acide fort. Nous avons, on peut prendre, par exemple, l'acide sulfurique. L'acide sulfurique, c'est un diacide. Voilà. Ici, nous avons des monoacides. Un monoacide, en solution, libère une mole d'ion hydronium. Donc, ici, là, les monoacides
Par exemple, l'acide chlorhydrique, l'acide bromhydrique, l'acide nitrique, l'acide iodhydrique. Voilà. Ce sont des acides, l'acide HI. Ce sont des monoacides forts. Hein? On les appelle pas des monoacides forts. Bon. Nous avons aussi les diacides forts. Les diacides forts. Par exemple, l'acide sulfurique, c'est un diacide. Parce qu'en solution dans l'eau, en solution aqueuse, l'acide sulfurique libère l'ion 2 mol d'ion H3+, plus l'ion sulfate. Voilà. Ici, on a 2 et en équilibrant, voilà. 4 plus 2, ça fait 6. 2 fois 3, 6 fois. Il libère 2 mol d'ion H3+. Voilà pourquoi on l'appelle par un diacide fort. C'est un diacide. Il libère 2 mol d'ion H3+. Donc, on a des monoacides forts, des diacides forts. Vous devez retenir qu'un acide fort, c'est un acide qui se dissocie totalement dans l'eau en libérant un ion hydronium, un ion H3+. Vous avez quelques exemples ici. Donc, l'acide chlorhydrique, l'acide bromhydrique, l'acide nitrique, l'acide sulfurique sont des acides minéraux. Donc, on peut dire que tous les acides minéraux sont des acides forts. Tous les acides minéraux sont des acides forts. Voilà. Petit C, acide faible. Petit C, acide faible. Petit C, acide faible. Voilà. Après les acides forts, on va passer aux acides faibles. On a dit, il y a des électrolytes faibles et des électrolytes forts. Donc, parmi les acides, nous avons les acides forts et les acides faibles. Voilà. Là également, on va d'abord définir, astérix, un acide est dit faible. Voilà. Ici, on a dit qu'un acide est dit fort lorsqu'il se dissocie totalement dans l'eau. Maintenant, un acide est dit faible lorsque sa dissociation dans l'eau est partielle. Donc, un acide faible ne se dissocie pas totalement, il se dissocie partiellement. Ça veut dire que sa réaction de dissociation est un équilibre chimique. On a vu les équilibres chimiques. Un équilibre chimique, dans une réaction d'équilibre, il y a coexistence des réactifs et des produits. Donc ici, l'acide faible ne se dissocie pas totalement, il se dissocie partiellement. Donc, un acide est dit faible lorsque sa dissociation n'est pas totale. Voilà. On peut dire sa dissociation est partielle. En parenthèse, dissociation partielle. Voilà. Lorsque sa dissociation est partielle. Donc, la réaction est un équilibre chimique. La réaction est un équilibre chimique. La réaction est un équilibre chimique. Donc, la réaction de dissociation d'un acide faible est un équilibre chimique. Voilà, soit un acide faible AH, voilà, son équation de dissociation est partielle, on a AH plus H2O, voilà, sa réaction de dissociation est partielle, voilà. Comme c'est partiel, c'est donc un équilibre chimique, c'est symbolisé par une double flèche. Voilà. On a A- plus H3O+. Voilà.
Oui, contrairement à un acide fort là-bas, la dissociation est totale. Donc, l'acide fort dans l'eau, il disparaît, il se transforme totalement en ion. Donc, l'acide n'existe, la molécule AH de l'acide n'existe plus. Donc, tout l'acide s'est transformé en ion. Ici, l'acide faible, sa dissociation est partielle. Donc, il y a une partie qui se dissocie en ion et il y a quelques molécules. Il y a quelques molécules qui se dissocient en ion et il y a quelques molécules qui restent, qui ne se dissocient pas. Voilà pourquoi on dit que sa dissociation est partielle. Et à la fin, on obtient un équilibre chimique. Voilà. Quelques exemples. Exemple. Nous avons par exemple l'acide méthanoïque, HCOOH, dans l'eau. Sa dissociation est partielle. On obtient l'ion méthanoate plus H3O+. Donc l'acide méthanoïque est un acide faible. Voilà. L'acide éthanoïque, CH3COOH, dans l'eau, sa dissociation est partielle. On obtient l'ion éthanoate plus H3O+. Voilà. Donc, l'acide méthanoïque et l'acide éthanoïque sont des acides faibles. Donc, on peut généraliser, on peut dire que tous les acides carboxyliques sont des acides faibles. Tous les acides carboxyliques sont les acides faibles. Hein, les acides carboxyliques, c'est-à-dire les acides organiques. Notez bien. Tous les acides carboxyliques, tous les acides carboxyliques, c'est-à-dire tous les acides qui ont pour formule RCOOH, sont des acides faibles. Les acides carboxyliques sont les acides organiques. Ils sont différents des acides minéraux. Voilà. On reconnaît un acide carboxylique par ce groupement-là, le groupement carboxyle. Là, leur formule, c'est RCOOH. Voilà, ça, c'est le carbone fonctionnel. Hein? Ça, c'est la formule générale des acides carboxyliques. On reconnaît un acide carboxylique par ce groupement. Voilà pourquoi les acides méthanoïques, éthanoïques, voilà, tous les acides organiques sont des acides carboxyliques. Et ce sont des acides faibles. Voilà. On va continuer. Huit deux. Les bases. Après les acides, on va voir les bases. Les bases. Là également, on va définir ce qu'on entend par une base. Là, on aura aussi les bases fortes et les bases faibles, parce que ce sont des électrolytes. Parmi les électrolytes, on a des électrolytes dits forts et des électrolytes dits faibles. Voilà. On va noter la définition d'une base. C'est toujours au sens de Bronsted. Bronsted a défini un acide comme étant une entité chimique, molécule ou ion capable de céder un ou plusieurs protons. Voilà. Une base, c'est une entité chimique, molécule ou ion, capable de capter ou de fixer un proton. Lorsqu'une espèce chimique, molécule ou ion est capable de fixer un proton ou de capter un proton, cette espèce est une base. Voilà. Donc, on va définir une base. Donc, petit a, définition. On va d'abord définir. Définition. Voilà. Au sens de Bronsted, une base est une entité chimique
une base est une entité chimique, molécule ou ion capable de capter un proton. Un proton H+. Une base est une entité chimique, molécule ou ion, capable de capter un proton H+. Voilà. Donc, lorsque on a une base, soit une base B, lorsque la base capte un proton, se transforme en BH+. Voilà. Une base, c'est une entité chimique capable de fixer un proton. Voilà. Ici, vous avez une base. Là, vous avez un proton. Voilà. Lorsqu'une base fixe un proton, on a... Lorsqu'une espèce chimique fixe un proton, elle se transforme en ion BH+. On dit que cette espèce est une base. Exemple. Exemple. Nous avons l'ammoniac, NH3. L'ammoniac fixe un proton, H+, et se transforme en ion ammonium. NH4+. Voilà. Ça, c'est, l'ammoniac, c'est une base. L'ammoniac fixe un proton et se transforme en NH4+. Voilà. C'est l'ammonium et l'ammoniac qui capte un proton et se transforme en ion ammonium. Voilà. Donc l'ammoniac est une base au sens de Bronsted. Voilà. On peut prendre un autre exemple. Par exemple, l'ion éthanolate. Lorsque l'ion éthanolate fixe un proton, voilà, on a l'éthanol. Voilà. Donc, l'ion éthanolate est une base au sens de Bronsted. Voilà. Vous avez l'eau. L'eau aussi peut fixer un proton. Lorsque l'eau fixe un proton, on obtient H3O+. Voilà. L'eau fixe un proton, on obtient H3O+. L'ion hydroxyde aussi peut fixer un proton. OH- fixe un proton, on obtient H2O. Voilà. Voilà la définition d'une base au sens de Bronsted. Voilà, on continue. Petit b, base forte. Par analogie avec ce qu'on a fait sur les acides, on a dit qu'un acide est fort si sa dissociation est totale dans l'eau. Par analogie avec ce qu'on a fait sur les acides forts, on avait dit qu'un acide fort se dissocie totalement dans l'eau en libérant l'ion hydronium. Voilà. Donc ici, une base forte également se dissocie totalement dans l'eau, mais cette fois-ci en libérant l'ion hydroxyde. Voilà, l'ion hydroxyde OH-. Donc, une base est dite forte lorsque sa dissociation dans l'eau est totale. Lorsque sa dissociation dans l'eau est totale. Voilà. Voilà la définition d'une base forte. Voilà. Soit
BOH, une base forte. L'équation de dissociation d'une base forte dans l'eau donne B plus plus OH moins. Voilà. On reconnaît une base forte par le groupement OH. Voilà. Parmi les bases fortes, il y a des monobases fortes et il y a des monobases fortes, des dibases fortes. Voilà. Exemple. L'exemple d'une monobase forte, nous avons par exemple la soude NaOH en solution aqueuse. La soude donne l'ion sodium plus l'ion hydroxyde, OH-. Non, la soude est une base forte. Nous avons la potasse. La potasse également est une base forte. En solution dans l'eau, en solution aqueuse, la potasse nous donne l'ion potassium plus l'ion hydroxyde. Voilà. Ici, nous avons des monobases. Monobases fortes. Par exemple, la potasse, la soude et la potasse. On les appelle par des monobases. La soude et la potasse sont des monobases. Voilà. Nous avons aussi des dibases. Les dibases fortes. C'est le cas de l'hydroxyde de calcium. L'hydroxyde de calcium est une dibase forte. En solution aqueuse, l'hydroxyde de calcium nous donne l'ion calcium plus... Voilà. Donc, on peut généraliser. De façon générale, lorsqu'on a BOHN en solution aqueuse, on obtient BN plus plus NOH moins. Voilà. Si N égale à 1, on a une monobase. Si N égale à 2, on a une dibase. Si N égale à 3, on a une tribase. Voilà. Voilà l'équation de dissociation d'une base forte. Voilà. On va continuer. Petit c, base faible. Base faible. Voilà. Là également, par analogie avec les acides faibles, on a dit qu'un acide faible est un acide dont la dissociation n'est pas totale, sa dissociation est partielle dans l'eau. Donc, de la même façon, on va aussi définir une base faible. Monobase, oui, c'est E. Il y a E. Forte, il y a E. On fait écrit comme ça. Et ça ne sort pas. Ah, d'accord. Voilà. Une base est faible. Une base est faible. Une base est faible si sa dissociation, dans l'eau n'est pas totale, C'est-à-dire que sa dissociation est partielle. N'est pas totale. En parenthèse, dissociation partielle. Voilà. Une base est faible si sa dissociation dans l'eau n'est pas totale. Donc, en ce moment-là, on a une dissociation partielle. Voilà. Donc, soit B, une base faible, soit B, une base faible. Voilà. Sa dissociation dans l'eau. On a B
plus H2O nous donne, c'est une dissociation partielle, nous donne BH plus OH moins. Voilà. Une base faible dans l'eau, sa dissociation est partielle parce que sa réaction de dissociation est un équilibre compte tenu du fait que la base est faible, la base ne se dissocie pas totalement comme dans le cas des bases fortes. Voilà pourquoi on dit que c'est une base faible, parce que sa dissociation est partielle. On obtient un équilibre dans une base faible dans l'eau, nous donne BH plus OH-. Exemple, l'ammoniac. L'ammoniac est une base faible. B, ammoniac, dans l'eau, on obtient l'ion ammonium. Donc, on aura NH4+, puisque par définition, une base fixe un proton. Voilà pourquoi ici, on a NH4+, plus OH-. Voilà. L'ammoniac est une base faible. Voilà. On peut généraliser, toutes les amines sont des bases faibles. Toutes les amines sont des bases faibles. Toutes les amines sont des bases faibles. Voilà. Les amines, on distingue trois classes d'amines. Il y a les amines primaires qui ont pour formule générale RNH2. Voilà. Amine primaire, ça c'est une amine primaire. Amine primaire. Voilà. Toutes les amines sont des bases faibles. Voilà. Vous avez par exemple une amine primaire en solution dans l'eau. Voilà. On donne RNH3 plus OH-. Voilà. C'est une amine primaire. Par exemple, CH3 NH2 en solution dans l'eau. Voilà. On obtient CH3 NH3 plus OH-. Voilà. La méthylamine, c'est une amine primaire. Voilà. On peut avoir une amine secondaire, par exemple RNH, R prime, en solution aqueuse. Voilà. En solution aqueuse, en ce moment-là, on obtient NH2+, puisqu'il fixe un proton, plus OH-. Voilà. On peut par exemple prendre le cas de CH3 2NH plus l'eau. On obtient CH3 2NH2 plus OH- s'il fixe un proton. Si cette amine fixe un proton, voilà ce qu'on va obtenir. Ici, on a une amine secondaire. Voilà. Une amine tertiaire. Ici, on a une amine secondaire. Amine secondaire. Voilà pourquoi on a dit que toutes les amines sont des bases faibles. On a pris le cas des amines primaires avec un exemple. Amine secondaire avec un exemple. Amine tertiaire. Voilà, on a trois groupements alkyles. R prime, R seconde, voilà, N, plus l'eau. Voilà. On a R prime, R seconde, N, H plus OH moins. Voilà. Nous avons par exemple la triéthylamine. La triéthylamine, C2, H5, 3N, plus l'eau, voilà, on obtient C2, H5, 3N, H+,
plus OH-. Ouais. La triéthylamine dans l'eau. La triéthylamine, c'est une base faible dans l'eau, nous donne la triéthylamine, les ions triéthylammonium plus OH-. Voilà, par exemple, voilà pourquoi on a dit toutes les amines sont des bases faibles. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Notre séance touche à sa fin. Je vous remercie et à la prochaine occasion. Merci.